Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici pour notre soirée, notre journée expert. Donc, aujourd'hui, avec moi, j'ai deux experts dans différents domaines qui vont pouvoir se présenter. Aujourd'hui, on veut aborder avec vous la thématique ressentir. L'astuce ressentir, qui est une des fondations solides, finalement, pour une bonne santé mentale. Puis, vous allez voir qu'on peut avoir différentes perspectives, la mettre de façon différentes en pratique dans notre vie. Puis c'est un peu pour ça aujourd'hui que j'invite des experts avec moi pour pouvoir, dans le fond, exprimer différents points de vue, puis que vous puissiez voir qu'au final, tout a un sens, puis que ça revient un peu aux mêmes choses. Donc, avant de commencer notre sujet, puis de vous expliquer un peu par rapport à toute la gestion des émotions, comment reconnaître les émotions dans notre corps, comment ça peut avoir un impact, comment reconnaître les sources de stress, etc., on va pouvoir faire un petit tour de juste se présenter pour que vous puissiez savoir qui nous sommes, nous, pour pouvoir vous parler de ça aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Angélique Lantier, conférencière, animatrice et formatrice des 7 astuces pour se recharger pour Santé mentale Québec-Rive-Sud. Ça fait 3 ans maintenant que je fais ça et j'ai débuté parce qu'il y a 4 ans, j'ai eu un gros bas-fond dans ma vie dans lequel j'ai eu à apprendre finalement c'était quoi les émotions pour de vrai, comment apprendre à les gérer, à vivre avec ça, de décoder un peu mes pensées, de vivre avec l'anxiété, d'être capable de les transformer pour finalement arriver à retrouver mon équilibre parce que je l'avais perdu et maintenant d'utiliser ces outils-là pour la maintenir dans le temps, cette bonne santé mentale-là. Alors voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui et pourquoi ça me tient à cœur finalement cette mission-là de pouvoir transmettre des outils accessibles à toute la population parce que je trouve que c'est nécessaire pour tous d'apprendre ces outils-là pour pouvoir mieux gérer sa propre vie et pouvoir ça, avoir une bonne santé mentale puis vivre à son plein potentiel. Alors, merci à mes expertes d'être ici aujourd'hui avec moi. Et je peux dire expertes parce qu'on est juste des femmes aujourd'hui. Oui. Alors, Sarah, est-ce que tu aimerais commencer par te présenter? Ben oui, pourquoi pas? Allons-y. Ben, comme tu l'as dit, moi, c'est Sarah Leblanc. Moi, je suis naturopathe et massothérapeute agréée. J'ai fait un changement de carrière il y a plusieurs années. Au départ, c'est un deuxième épuisement professionnel où, là, à un moment donné, ça a fait qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Je m'en fais-tu un troisième ou je décide de me choisir? Et là, je suis devenue massothérapeute agréée. Et par la suite, j'ai reçu un diagnostic de colite ulcéreuse. C'est pour ceux qui savent pas ce que c'est l'inflammation du gros intestin. Et pour les médecins, il y a rien à faire. C'est de la médication à vie, c'est une maladie auto-immune. Et moi, ça rentrait pas dans ma tête. Je veux pas rentrer dans un cadre de, ben, c'est ça, je vis avec, puis tant pis. T'sais. Fait que moi, je disais, non, non, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose que j'ai fait, qui a fait que je me suis rendue jusque-là. Donc, c'est là que j'ai commencé mes formations pour devenir naturopathe et j'ai réglé mon problème. J'ai trouvé les causes, j'ai trouvé qu'est-ce qui m'a amené à avoir ce problème de santé-là parce que je ne l'ai pas pigé dans le sac à maladie. Donc, je l'ai développé, même si on n'aime pas cette phrase-là de dire qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Mais oui, fait que moi, j'ai finalement accepté ça de dire, ben oui, OK, c'est moi qui ai fait que je me suis rendue là et j'ai trouvé comment me sortir de ce problème de santé-là. Et maintenant, j'ai repassé des tests et je n'ai plus rien. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais avec les gens, c'est que je les accompagne pour mieux se comprendre, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur système, qu'est-ce qui a fait que la vie les a amenés à être où ils sont, dans leur énergie, dans leur maladie, dans leur déséquilibre, dans leur émotion, puis les aider à trouver des solutions naturelles. Donc, moi, c'est vraiment dans le corps. Oui, il y a le côté émotionnel, mais moi, oui, on n'a pas le choix. T'sais, on est un tout, hein. Fait qu'on peut pas se séparer de dire, ah, moi, je touche rien qu'à l'alimentation, je touche rien qu'aux plantes, je touche rien qu'aux huiles essentielles, organise-toi avec ta tête. Ça marche pas de même. Fait que je suis sûre que Julie, tu sais, t'as des clients aussi que tu rencontres que, ben, faut regarder le côté alimentation, faut regarder aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider. Fait que c'est ce que je fais avec les gens, je les accompagne avec des programmes pour qu'ils se comprennent mieux et qu'ils maintiennent leur santé. Exact. Puis j'aime beaucoup ça, Sarah, comme tu dis, le fait d'avoir une vision globale de la santé, parce que oui, on touche la santé mentale. Tu sais, c'est ici d'ailleurs pour ça que tu sais, dans le groupe Cheminer vers l'équilibre, c'est la santé mentale, mais la santé mentale, c'est un équilibre dans toutes les différentes sphères de notre vie, donc santé physique aussi, santé émotionnelle, santé mentale, santé relationnelle, etc. Donc, c'est sûr qu'à travers les capsules, on va toucher aussi tous ces domaines-là parce que ça a un impact finalement sur notre santé. Puis comme tu dis, c'est un tout.
Puis effectivement, on n'aime pas tout le temps ça, hein, Effectivement. se faire dire nécessairement que la source, c'est un peu nous le problème. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, hey, mais si on me dit que finalement, c'est moi le problème, ça veut dire que c'est moi la solution aussi. Tu sais, au final, c'est à partir du moment qu'on Ben se oui, c'est en plein ça. responsabilise, mais on peut trouver la solution. Et merci beaucoup, Sarah, pour Oui. la présentation. Et pour toi, Ben, Julie? en fait, peux-tu y rajouter parce que tu as parlé, je peux-tu y rajouter une petite affaire? Parce que tu as nommé, tu sais, le côté émotionnel et alimentation. En fait, c'est qu'il y a 6 ans, j'ai fait une méga crise. J'ai perdu 30 livres en 2 mois, mais il n'y a rien qui marchait. Autant la médication que le côté naturo, il n'y a rien qui fonctionnait. Pourquoi? Parce que j'ai dû aller toucher le côté émotionnel. Ma mère est décédée 3 jours avant que je tombe en crise. Tant que je n'ai pas solutionné mon côté émotionnel, j'arrivais pas à remonter. Quand j'ai touché ce côté émotionnel-là et j'ai accepté, là, j'ai remonté. Fait que là, le reste a fonctionné. Tout à fait. Merci pour ce témoignage, Sarah. Alors, Julie, veux-tu à ton tour de te présenter? Oui, ben écoute, bonjour tout le monde, bonjour Sarah, bonjour Angélique, merci de me recevoir. Ça me fait un peu drôle de me faire appeler un expert parce que j'ai toujours considéré que tout ce qui est science humaine, c'est une expérience unique à chacun. Ça fait que d'être un expert pour tout le monde, c'est un peu impressionnant, là. Mais je suis contente de partager avec vous autres, puis si je peux aider des gens en étant ici aujourd'hui, je suis là pour ça. Alors, je vais faire un petit peu de surf sur ce qu'on vient de dire. J'ai suivi un atelier sur l'anxiété à l'Université Laval et le professeur disait un régime de vie sain, c'est-à-dire une bonne alimentation, du sport 3 fois par semaine et un bon sommeil, OK, c'est plus efficace que la médication quand on parle d'anxiété. C'est plus efficace que la psychothérapie et c'est aussi efficace que les deux combinés ensemble. Fait que, tu sais, quand on dit là, que c'est un ensemble, là, que la santé, là, c'est vraiment tout ensemble, c'est vraiment exact. Et si je vous raconte un peu qu'est-ce que je fais là, moi, ça fait longtemps que je tripe sur le métier de coach. Le coach, c'est une accompagnatrice dans mon cas aussi, un peu comme la naturopathe. Mais on parle, par exemple, on prend conscience de la réalité, puis on regarde où est-ce qu'on veut s'en aller, puis comment on va faire pour se rendre à cet objectif-là. Alors, ça fait très longtemps que je caressais le rêve là, d'être coach. Finalement, maintenant, j'ai suivi ma formation avec l'Académie de coaching transformationnel ACTIN, qui est une académie reconnue par l'International Coaching Federation, ICF. Et puis, je fais un certificat à l'Université Laval en psychologie du développement humain pour outiller les gens à mieux gérer le stress et l'anxiété. Donc, c'est pas comme, je suis pas du tout comme une psychothérapeute. Comme je vous disais, les coachs, on prend acte de la réalité puis on s'en va en avant. Le psychothérapeute va gratter plus en arrière. Puis c'est correct, c'est complémentaire, il n'y a pas de bon ou de mauvais, là. Et puis c'est ça. Puis moi, ce qui m'a amené à travailler là-dedans, c'est que moi, j'ai fait un trouble d'adaptation avec symptômes anxieux et dépressifs. Alors, j'ai vraiment souffert, tu sais, là, pour dire que tu es couché dans ton lit le matin et puis tu te demandes si tu vas être capable de mettre ta bobette là, à ce niveau-là, là, tu sais, à faire de l'anxiété avec le petit hamster qui tourne, mais dans les peurs, puis dans une place pas le fun, là, puis il fait noir, là. Alors, je me suis battue, je me suis renseignée, je suis allée en thérapie, j'ai fait du sport. Malgré que ce n'est pas quelque chose de naturel chez moi, ben tu te fais discipline parce qu'il faut que tu t'en sortes. Fait que, ouais, j'ai la chance d'avoir un beau husky dans ma vie qui m'a forcé à aller dehors puis à aller jouer dehors. Puis je me suis dit, crime, c'est terrible, ça, je souhaite pas ça à personne. Puis là, j'ai comme pris conscience que avec ce que j'avais accumulé comme bagage, j'étais capable d'aider d'autres personnes. Et c'est merveilleux. Il y a des choses qui font qu'on ne peut pas nécessairement. Tu sais, je vais te donner un exemple concret, là. Dans certains tests de personnalité, on va par trait de personnalité. Okay? Dans le test, moi, j'ai fait un test IRPA, qui est un super beau test pour apprendre à se connaître, là. C'est très, très aidant. Puis l'interprétation qui vient avec est vraiment merveilleux. Mon premier trait de personnalité, moi, c'est le trait anxieux. Fait que je peux travailler fort, fort, mais c'est comme si je disais, je vais faire de la thérapie jusqu'à ce que j'aie les yeux bleus. Ça n'arrivera pas beaucoup. Par contre,
je peux le gérer, je peux apprendre à... Comme on a discuté en pré-entrevue, c'est quoi mes drapeaux? C'est qu'est-ce qui m'accroche, là, qui va faire que ça va déclencher? Comment je peux le gérer? C'est quoi les trucs que j'ai pour ça? Alors ça vient aider. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours deux côtés d'une médaille. Hein. Tu sais, moi, mon trait anxieux, il fait que je m'inquiète beaucoup, mais il fait aussi que je planifie vraiment bien mes affaires. Alors, c'est ça. Puis le stress, c'est la même chose. On a un stress positif et on a un stress négatif. Il faut juste savoir gérer entre les deux. Oui, tout à fait. Merci, Julie. Puis j'adore ça, justement. Puis même Sarah, elle dirait qu'il y a trois côtés d'une médaille. On a jasé souvent ensemble, puis elle dit, il y a face, il y a pile, puis ensuite, il y a au milieu. Puis moi, je suis comme, l'équilibre, oui! En plein ça. Hein, quand elle dit, souvent, c'est ça, c'est qu'on part d'un extrême à l'autre. Puis à un moment donné, on finit par trouver notre équilibre. La mienne, elle va être différente de la tienne, Angélique. Puis celle d'Angélique, elle va être différente de celle de Julie. Fait qu'il faut simplement trouver la sienne où on se situe là-dedans. Fait que l'objectif, c'est de se promener. Hein. On ne sera jamais droite. On ne sera jamais là. On ne sera jamais sur une ligne droite comme ça. Non. Parce que tu n'avances pas. Et quand tu veux marcher, là, si tu veux avancer, tu n'as pas le choix de te mettre en déséquilibre. Fait que tu te mets sur un pied. Oh! Tu t'en vas avec les deux pieds ensemble. Oh! Tu te mets sur ton autre pied. Fait que tu avances. Mais si tu es toujours rien que sur un pied, tu perds ton équilibre. Puis j'aime ça parce que tu parles d'action, hein? C'est vraiment d'être dans l'action aussi. Puis d'ailleurs, ben les émotions, c'est un peu à ça, ça sert finalement, c'est pour nous mettre en action, hein? Parce que, tu sais, admettons qu'on revient à la base, là, de dire, OK, une émotion, c'est quoi une émotion, là? Tu sais, une énergie, finalement, qui... Puis peut-être que vous avez des définitions différentes, là, mais c'est une énergie, finalement, qui est créée par un besoin, qui a besoin d'être répondu ou entendu, donc, ça peut être une limite qui a besoin d'être mise ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, cette liste de besoins-là, bien, quand nos besoins ne sont pas répondus, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des émotions qui vont être un peu plus désagréables, hein, qui vont comme venir en compte, que ce soit la tristesse, la peur, la colère, etc. Et bien sûr, comme un petit enfant, quand nos besoins sont répondus, mais on est content! Donc, tu sais, oui, c'est difficile des fois pour certaines personnes... qui peuvent des fois avoir été coupés, hein, déconnectés un peu de soi, déconnectés de nos émotions. Moi, je le sais que, tu sais, j'avais consommé énormément de temps avant, fait que, je veux dire, j'étais coupée, je voulais pas les vivre, mes émotions, j'étais tombée dans la dépendance parce que j'étais dans une situation qui était vraiment souffrante. Et donc, bien, plus que tu accumules dans, je sais pas, dans ton environnement ou dans ta situation, des déclencheurs, là, comme on dit, puis qu'on les gère pas au fur et à mesure, puis qu'on les accumule, ben comme Sarah, tantôt, tu disais, ben ça peut s'accumuler à l'intérieur, hein, parce que c'est comme une énergie que si on bloque, qu'on ne libère pas, qu'on n'exprime pas, qu'on ne répond pas à cet intérieur-là, finalement, à cette énergie-là, ça finit par s'accumuler, puis ça finit par causer des dommages à l'intérieur. Hein. Des fois, ça dit « le mal a dit hein, », la maladie, le mal a dit. Effectivement. Puis, en fait, on peut dire aussi, ce que tu n'exprimes pas va s'imprimer en toi. Oui, c'est ça que j'étais pour dire. C'est ça, hein? Puis, tu sais, les émotions, c'est quelque chose que c'est que le corps a besoin d'être vu ou être entendu. Il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être vu et entendu. Puis, tu sais, comme tu disais, il y en a qui vont prendre de la drogue, il y en a qui vont prendre de l'alcool. Moi, je me suis simplement, pendant des années, coupée complètement de mes émotions. Je n'avais pas d'émotion. J'avais pas de joie, j'avais pas de tristesse, j'étais neutre. Fait que les gens, ils ne savaient pas ce que je pensais, ils ne savaient pas. Mais je me suis coupée parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas quoi faire avec ça. Fait qu'à un moment donné, le corps a fait « Non, 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 ça ne marche plus, là. » Fait que je suis tombée malade. Donc, moi, ça s'est répercuté dans mon corps physique. Il y en a que ça va être... Oui? Non, vas-y, vas-y. En fait, il y en a que ça va être, c'est ça, il y en a que ça va être le côté émotionnel. Fait que, tu sais, là, ça va être ça qui va passer. Puis, je travaille avec ce qu'on appelle, moi, les types glandulaires, la structure alimentaire. Et moi, je suis une surrénalienne. Et moi, je suis quelqu'un, il faut que tout soit réglé pour hier. Fait que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'arrêter à gérer mes émotions. J'ai pas le temps de m'arrêter à regarder qu'est-ce que ça a à dire. J'ai pas le temps de... Fait que, ce qui a fait qu'à un moment donné, le corps, il a fait, « Oh, t'as assez, ma belle, là. Là, tu vas t'occuper de toi. » Fait que j'ai commencé à avoir des maux de tête. J'ai comme, bon, t'aspirine, tosse ça de côté. Après ça, des maux de dos. Bon, on va me faire masser un petit peu. Mais ça revenait pareil. Parce que j'ai pas réglé la cause. Fait que après ça,
troubles digestifs. Fait que ça va toujours en remplissant. L'exemple que je donne souvent, c'est comme un enfant, le corps. Hein. Moins tu l'écoutes, plus il te pique une méga crise. Moi, je me suis rendue jusqu'à la prise de bacon dans le milieu du stationnement, tu sais, dans mon corps. Mais c'est ça, tu sais. Fait que là, en élaguant, d'un moment donné, les émotions commencent à ressortir. Là, ça fait « Ah, oh, c'est ça. Ah, oh, OK. » Puis d'aller chercher de l'accompagnement pour aider à mieux gérer ces émotions-là. Puis, tu sais, ça, c'est moi, j'appelle ça un « work in progress », c'est à vie. Cette année, puis là, j'ai 51 ans, cette année, J'ai reçu un appel. j'ai commencé, moi, quand je suis tombée en épuisement professionnel à l'âge de 35 ans, c'est là que j'ai vraiment commencé à aller chercher des réponses pour moi. Mais c'est cette année, à l'âge de 51 ans, que j'ai accepté le fait que je suis une hyperactive. Pas une hyperactive, une hyper-émotive. Mm-hmm. Donc, ça fait depuis l'âge de 30 ans, 35 ans que je travaille sur moi. Fait que cette année, j'ai accepté. Je le savais, mais je ne l'acceptais pas. Fait que mon corps continuait à réagir quand même. Oui, tout à fait. Tu voulais dire quelque chose tantôt, Julie? Oui, ben oui, excuse-moi, Sarah, en plus, je pensais que tu avais comme terminé, fait que j'ai pas fait le, le code. Mais non, ben la seule chose que je voulais dire, c'est que c'est dur de travailler sur ses émotions. Fait que c'est plus facile de prendre une aspirine que de dire « je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là ». Et c'est pour ça que l'accompagnement est tellement important, parce que de le faire tout seul, c'est une méchante job. Et l'autre point aussi que je veux apporter, c'est que c'est quand même relativement récent qu'on parle de ça. Puis qu'on en parle ouvertement, puis qu'on en parle sur des réseaux comme on fait là, sans avoir l'air d'un hurluberlu un peu, là, tu sais. Et que c'est accepté aussi. Ça commence à être un peu plus accepté. Alors, quand j'ai fait mes épuisements professionnels, mon patron, il m'a fait évaluer par un psychiatre parce qu'il ne me croyait pas. Ben c'est ça. Et puis, là, on a la chance de vivre d'une société qui est de plus en plus acceptante là-dedans. Tant mieux. Mais on n'est pas entraîné là-dessus. On n'est pas entraîné à dire... Les enfants le sont un petit peu encouragés là, à verbaliser un peu leurs émotions. Tout ça, ça s'en vient. Mais tu sais, moi, j'ai 42 ans. C'était ben voyons, arrête de te plaindre puis continue à marcher, là, tu sais, c'est pas grave, là. Il y a du monde bien épais que ça dans la vie, fait que. Hein? Ah oui. Fait que c'est ça. On n'est pas habile là-dedans, autant qu'on l'est habile, mettons, en santé physique, là, tu sais. Tu t'es cassé un bras, ben on va mettre un plâtre. Tu sais, c'est de même, ça marche. Fait que ça fait en sorte que ça traîne longtemps. Puis on a tout un peu, tu vois, là, moi ou Sarah, on a une histoire de c'est long, là. Tu sais, on parle de 30 ans, 40 ans, 50 ans avant de prendre conscience puis d'accepter. C'est... Imagine le bienfait de l'avoir su à 20 ans. De l'avoir accepté à 20 ans. Alors, tu sais, on souhaite ça pour les nouvelles générations aussi, là, tu sais, de lâcher prise, là, puis aller chercher de l'aide, là, c'est correct, là. Tu sais, moi, quand j'ai fait mon trouble d'adaptation, après... Premièrement, je me force à en parler à tout le monde. J'ai un tatou d'un point virgule sur la nuque ici pour que les gens me demandent c'est quoi, parce que c'est un tatou qui symbolise la santé mentale. Le point virgule, c'est que l'auteur écrivait une phrase, il aurait pu arrêter, mais il a décidé de continuer. Alors, c'est la symbolique. Puis, je me force à en parler pour démystifier un peu, que les gens voient, OK, ouais, ça peut arriver à tout le monde, c'est normal. Puis, cette fille-là a l'air quand même un peu équilibrée, fait que c'est correct, tu sais. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de monde qui souffre. T'sais, comme toi, Sarah, tu as fait des épuisements. C'est sûr que quand tu es toujours dans les émotions ou dans la négation de tes émotions ou quand tu es toujours dans le stress, l'anxiété, c'est un chiffre de fou. Là, genre, si tu fais de l'anxiété de façon répétée, à 80% du temps, tu vas finir en dépression. Puis on sait les conséquences très, très tragiques des dépressions. T'sais, alors que si on apprenait à gérer ça, puis c'est un peu notre mission de porteur de lumière, de dire on va, nous autres, on est là pour aider les gens, puis on va démystifier ça, tu sais. Je vais juste faire un petit... Je te dirais que... Oui, vas-y. Mais juste avant, puis je suis tout à fait d'accord, puis c'est ça que je pense qui est important que les gens ils sachent aussi, c'est que
De plus en plus, on veut pouvoir parler de l'impact des émotions. Puis c'est sûr que, comme vous avez dit, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais honnêtement, quand on comprend la base des émotions, quand on comprend que ça a une mission précise, finalement, ces émotions-là, que c'est là pour nous aider et non pour nous nuire, hein, quand c'est là pour, finalement, c'est comme notre GPS, hein, ça nous guide vers qu'est-ce qui nous rend heureux, parce que quand on fait des actions puis que ça nous amène des émotions positives ou agréables, bien, on peut savoir aussi qu'est-ce qu'on aime. Et bien sûr, des fois, bien, moi, souvent, c'est les émotions, mettons, qui peuvent être plus déclenchées. Tu sais, si ça ne se passe pas comme que j'aurais pensé que ça serait fait, c'est les attentes par rapport à la réalité. Donc, ça nous ramène un peu à l'acceptation de la situation telle qu'elle, le lâcher prise. Tu sais, donc, d'être en mesure d'utiliser ces émotions-là pour les carburer pour ensuite trouver la solution pour remonter la pente, mais que la vie, tu sais, ça serait pas non plus possible ou même envisageable d'avoir une vie où est-ce que c'est juste des émotions positives. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que la vie, c'est des hauts et des bas. On a plein de balles qui arrivent tout bord, tout côté. On a une pandémie mondiale qui nous met toutes comme « Oh, on doit s'adapter à travers tout ça ». Ça nous fait générer plein d'émotions à l'intérieur. Puis si on prend pas le temps d'aller les regarder, c'est que là, on peut pas trouver des solutions. Parce que moi, j'ai comme compris que finalement les solutions résidaient dans mes émotions. Puis il y a juste moi pour savoir finalement qu'est-ce que je ressens. Ou tu sais, oui, on peut parler de c'est quoi les différents signaux. OK, si je suis en colère, je vais avoir les poings, je vais avoir les sourcils, moi j'ai de l'air de Hulk quand je suis en colère, je vais lever le ton. Ou tu sais, on peut reconnaître aussi les différents signes de stress. On va pouvoir aussi en parler peut-être de ça, de voir un peu si je suis stressée, c'est quoi la peur, quel type de réaction je peux avoir dans mon corps. Mais ça, c'est le côté émotionnel, comme on avait dit. Des fois, ça se transmet de façon physique parce qu'on ne va pas nécessairement l'entendre au niveau émotionnel. Des fois, ça va être le mental qui va rouler, puis qui va rouler, puis qui n'arrêtera pas. Puis des fois, c'est les comportements, hein, les comportements compulsifs. Tantôt, oui, on a parlé de drogue, alcool, mais ça peut être autant la bouffe. Écouter Netflix toute la journée pour essayer de se couper de soi, scroller sur Facebook toute la journée pour ne plus rien faire de ça. Tu sais, dans le sens que il y a plein de choses qu'on peut faire pour ne. Finalement, c'est de ne pas se connecter à soi. C'est comme si on ne veut pas s'engourdir. On s'engourdit, on se gèle de plein de façons différentes. Ça peut être d'aller magasiner. C'est comme de ne pas vouloir voir la réalité, finalement, parce que la réalité, elle est comme trop dure à regarder ou trop intense. Tu sais, comme. Moi, je le sais que je suis une hyper émotive aussi, clairement intense, OK, si vous ne l'avez pas déjà remarqué. J'ai même mon petit diplôme de TDAH. Yay! Non, c'est juste pour dire que, dans le sens que il y a cette intensité-là qui est là, cette hyper émotivité-là, puis c'est ça ce qui faisait en sorte aussi que je n'arrivais pas à connecter parce que, my gosh, que c'était souffrant parce que je ne savais pas quoi faire avec, tu sais. Mais à partir du moment qu'on sait quoi faire avec, donc moi, c'est... En tout cas, je vais parler des petites astuces, là, mais moi, c'est vraiment d'aller regarder qu'est-ce qui se passe dans ma tête, là, mes pensées, parce que mes pensées, ils me disent, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de me dire, là? Je suis en train de me dire que je suis en colère, tu sais, c'est... Je vais pas dire que je suis en colère, je vais dire, ah, oh, que ça, je suis tannée de ça, tu sais, mais avec le ton avec que j'entends dans ma tête, bien, moi, ça va me dire, ah, oh, je suis en colère. Je vais plus identifier au niveau de mes pensées, mes émotions, que la sensation dans mon corps. Pour d'autres personnes, ils vont plus le reconnaître au niveau de leur sensation dans leur corps. Il y en a d'autres qui vont... Tu sais, il y a plein de façons d'identifier. Puis pour chaque personne, c'est différent parce qu'on est tous uniques. On est tous uniques. On a tous des personnalités exact. Différentes. On a tous des particularités différentes. Puis ça fait en sorte que pour chaque personne, je veux dire, on n'a pas une recette magique de dire... Voici c'est en plein ça. Tous les types d'émotions, voici tous les mêmes déclencheurs. C'est comme, tu sais, quelqu'un, mettons, qui te coupe en voiture, là. Il y a quelqu'un qui va être en... Désolé pour mon langage, là, que, tu sais, je sais pas, ça va être un déclencheur pour eux. Il va être comme, ah, oh, qu'est-ce qu'il fait? Puis il y en a d'autres qui vont être comme, ah, oh, ben lui, il était juste en retard ce matin. Tu sais, ça le déclenchera pas autant. C'est chaque déclencheur, puis chaque façon aussi de répondre à ces déclencheurs-là va être différent, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est important, je pense, de se connecter à soi, chose qu'on ne dit pas souvent. Puis moi, je me dis, my gosh, connectez-vous à vous parce qu'au final, c'est vous qui avez les réponses à savoir vers où que vous voulez vous diriger. T'sais. Même tantôt, on a parlé de différents types d'accompagnement. Hein, on a du coaching, on a de la thérapie, on a de la naturopathie. Il y en a plein de types d'accompagnement. Puis au final, ben c'est la personne qui a à décider. Hein, qu'est-ce qui va lui parler le plus à cette personne-là? Oui. Où elle est rendue aussi? Tu sais, Julie, tantôt, tu disais,
Oui, ça a été long. Tu sais, moi, j'ai commencé, j'avais 30, 35 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a des outils, on a plus d'outils aujourd'hui. Moi, à l'époque, là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas d'outils, il n'y en avait pas de thérapeute, il n'y en avait pas de PNL. Naturopathe, je suis allée en voir, mais il ne m'amenait rien. Puis, t'étais fonctionnel ou t'étais fou? C'est ça. Fait que il ne t'amenait pas à comprendre ce qui se passait en toi. Puis moi, j'ai des gens, des clients qui viennent me voir et qui me disent « Boy, pourquoi je t'ai pas vu avant? Pourquoi je t'ai pas rencontré avant? » C'est beaucoup plus rapide maintenant. Fait que moi, je dis que j'ai défriché. J'ai défriché pour les autres. Puis maintenant, j'amène ces connaissances-là. Fait que, tu sais, de ce que tu dis, Angélique, d'être conscient. Moi, je ramène tout le temps mes clients à dire « Sois présent. Sois présent à toi. Pourquoi? » Tu sais, comme il y a quelqu'un qui vient te couper. Avant de poigner une aire, là, fait rien que t'arrêter trois secondes et quart. OK. Es-tu vivante? Es-tu dangereux? Sais-tu? OK. Je respire. On vient de désamorcer 50 % du problème. On vient de désamorcer 50 % de notre anxiété ou de notre stress. Et le stress, c'est ce qui va nous amener à développer encore plus notre anxiété. Parce que plus on est stressé, plus on a de réactions inflammatoires dans notre système, plus notre corps, il devient... J'ai des gens qui viennent, ils sont assis dans mon bureau, là, ou l'autre bord du téléphone maintenant, là, puis je fais simplement les regarder et je suis épuisée. Ils ont une nervosité dans leur corps. Fait qu'ils ont de l'inflammation, ils ont de leur stress, mais ils ne le réalisent pas. Ils sont bien dans ce qu'ils connaissent. Fait que quand je les amène à réaliser ça, de dire, c'est rien que tu as déposé et observe. Comment tu réagis? Là, ils font, ah, oh, ouais, OK. Puis là, ils commencent à dire, ah, OK, je sens ma main qui est comme ça. Ah, OK. Fait que, tu sais, sans prendre une heure pour tout faire ça, mais des petits pop-up comme ça d'observation, de présence, de, ah, OK. Puis tranquillement, et souvent plus vite aussi pour certaines personnes, ben ils vont enlever des déclencheurs. Fait qu'ils vont diminuer l'anxiété qu'ils vont vivre dans leur corps. Tu parlais de symptômes. Bien, il y a tellement de symptômes différents dans le corps qu'il y a de gens. moi, je dis, là, c'est... Mais c'est ça. C'est, quand tu viens au monde, tout va bien. Tu as mal nulle part, techniquement, là. Tout va bien, tu fais pas de migraines, tu n'as pas de troubles digestifs. Fait que tout se passe bien. Mais quand tu as un symptôme qui est désagréable, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, t'es fatigué, tu as mal à la tête, tu as mal à une dent, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mm-hmm. Fait que d'aller voir, qu'est-ce qui s'est passé pour le 24 heures? Souvent, là, c'est dans un délai de 24 heures. Je confirme, et j'ai même une anecdote là-dessus, OK? Petite anecdote, là, pour montrer à quel point c'est vrai que ça a vraiment un impact sur le corps. Là. Moi, je me souviens, à un moment donné, je suis en train de travailler, puis tu sais, honnêtement, là, depuis, je sais pas, un an, là, j'ai une phase de vouloir travailler plus, puis oui, il a fallu que je passe par-dessus mon sentiment de culpabilité en tant que mère, etc., de me choisir, blablabla, bla, bla. Mais c'est important que je le mentionne parce que je sais qu'il y en a peut-être d'autres qui, eux aussi, ils vivent ça, mais que moi, je me dis non, je veux travailler, mais ma fille était à côté, puis était comme... Maman, je veux jouer avec toi. Puis un enfant, ben c'est ça, hein, les enfants, quand leurs besoins ne sont pas répondus, ben ils restent. Puis à moins que ça fait tellement longtemps que leurs besoins n'ont pas été répondus, puis qu'après, ils ne prennent plus le temps de venir. Mais elle venait, elle touchait sur mon clavier. Puis là, je me disais, OK, genre, clairement, je n'arriverai pas à travailler pendant qu'elle était à côté de moi. Fait que moi, je ne me suis pas dit, ah, j'ai de la colère qui monte. Non, ça a fait comme impulsif. J'ai juste claqué mon. T'sais, fermer mon laptop en claquant, je vais OK, fine, on va jouer ensemble. Puis moi, j'ai coupé mon besoin de travailler. Le lendemain, on était supposé aller faire du vélo, etc. Moi, je suis comme ah, j'ai une infection urinaire. Je pisse aux 10 minutes, ça brûle ma vie. Puis je suis comme ben, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis là, je sais pas, je prends pas le temps. Puis là, un moment donné, je me dis, faudrait bien que je regarde, tu sais. Puis, je suis allée sur Internet. Moi, je sais que ma mère, elle m'avait enseigné ça dans le temps, là, avec Lise Bourbeau, là, écoute ton corps, etc. Fait que là, je regarde, puis je dis, bon, c'est quoi le signe, tu sais, d'une infection urinaire? Puis ça disait que c'était un désir refoulé, admettons. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vais, ah, oh, c'était tellement ça. C'était
C'était tellement ça, là. Puis le pire, c'est que j'avais déjà pris un rendez-vous pour le médecin, tu sais, parce que j'étais comme une infection urinaire, ça disparaît pas comme ça. Rendu dans le médecin, là, rendu dans le bureau du médecin, il était rendu 3 heures de l'après-midi, j'avais plus de symptômes, j'allais plus faire pipi, ça brûlait plus, c'était disparu. À partir du moment où j'ai fait, OK, c'était ça, j'accepte que tu étais en colère parce que, puis quand je dis, moi je parle à moi-même, moi je me parle, OK? S'il y en a qui pensent qu'ils sont fous, moi je me parle à moi-même, là. Fait que vous avez le droit, ça fait pas de vous quelqu'un de fou, puis je me disais, t'avais le droit d'être en colère, c'est normal que tu aies envie de travailler. La prochaine fois, tu essaies de gérer puis de trouver un moment pour pouvoir travailler, puis un moment pour pouvoir passer du temps avec tes enfants, de trouver cette solution-là. Puis écoute, mon infection urinaire a disparu, là. Tu sais, fait que c'était comme, bon, je dis pas nécessairement que c'est tout le temps magique puis que c'est aussi facile de tout le temps le décoder, mais quand on prend le temps, des fois, oui, il y a un déclencheur qui arrive puis qui amène, tu sais. Puis des fois, le déclencheur, on ne le trouve pas tout de suite. Puis des fois, c'est un déclencheur très longtemps après. Et je vous dirais même que des fois, pour certaines personnes qui ont vécu des gros traumatismes dans leur enfance, que ça a été refoulé depuis longtemps, mais c'est cette accumulation-là, elle peut venir plus tard, tu sais. Puis que ça peut être, à un moment donné, c'est comme, on ne comprend plus pourquoi qu'on est tout le temps stressé ou pourquoi qu'il y a cette accumulation-là, mais ça vient de quelque part, puis sans nécessairement avoir besoin de faire tout le nettoyage de avant, on peut faire le ménage pour ici et maintenant quand il y a des choses qui montent. Oui, Sarah, tu voulais doTERRA, c'est ça? En plein ça. Oui, oui, non, en fait, c'est pas pour te montrer doTERRA, mais OK. c'est ce que tu viens de dire, c'est le verre qui est plein. Oui, il est Ton bon. verre, là, avec les années, là, il se remplit. Puis, à un moment donné, là, quand tu as un problème de santé ou tu pètes une poche, ou c'est là, il est plein puis il déborde. Donc, l'objectif, là, que ce soit avec tu sais, en coaching ou avec la naturo, c'est l'objectif, c'est d'aider à venir descendre ça. Pour que justement que. Puis à l'âge qu'on est, on ne descendra jamais jusqu'en bas. Mais ce qu'on veut, c'est le descendre suffisamment pour ne plus être en réaction. La goutte qui fait Puis déborder le vase. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si notre verre était suffisamment vide, ben on va être capable de, quand une situation, comme tu viens de dire, arrive, que va faire, OK, bon, OK, ça me frustre, je peux peut-être parler avec ma fille, je peux peut-être, tu sais, puis de dire, OK, bon, mais ben, je vais le fermer, mais de le faire plus calmement et non de le faire dans la colère. Parce que ton verre vient déborder. Oui, il déborde pas. Fait que tu as le temps de réagir. Puis ton corps, il a le temps de le vivre aussi et non de l'imprimer. Oui, merci Sarah. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter justement là-dessus, Julie, sur ma Oui, plateforme? ben oui. Mais la première chose, c'est que habituellement, quand on enregistre dans un Zoom, on voit le petit bouton orange, tu sais, rouge-orange dans le coin qui dit enregistre. T'es-tu sûr que ça enregistre? J'ai comme une petite crainte. Record on this computer. Ah, là, on voit le bouton qui enregistre. Mais c'est correct, il enregistre pareil parce que moi j'utilise un autre système pour enregistrer. Donc ça va être l'autre système qu'on va utiliser pour enregistrer, puis on va couper cette partie-là. Yay! Merci. Mais parce que je le vois, là, tu sais, le bouton, puis je me disais, oh C'est non, vrai, là, j'espère qu'on n'a pas tout fait ça. hein? Oui, mais pareil, Julie, parce que tu l'as nommé, tu aurais pu rester dans ton anxiété, dans le stress, et tu l'as nommé. Ben, je n'avais pas le choix parce que je ne veux pas qu'on fasse tout ça Sinon, pour c'est ça. rien. Hey, comme, C'est ça. sinon, oui. Alors, si tu peux Mais justement rajouter quelque oui, chose. non, sinon, au niveau des émotions, moi, ce que je trouve fantastique là, dans ce dont on parle présentement, c'est que si on fait le travail qui est difficile, mais si on fait le travail quand même d'aller voir d'où est-ce que viennent nos émotions, on va aussi automatiquement se raccrocher à nos valeurs. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que même si c'est difficile, les valeurs, c'est notre essence. Hein. Et puis, si on ne les respecte pas, ben, on fonce d'un mur garanti, garanti à 100 %. Alors, qu'est-ce qui, tu sais, comme dans l'exemple que tu donnais, ta fille qui te demandait du temps alors que toi, tu voulais travailler, c'est quoi la valeur que ça interpelle par rapport à ça? Et là, tu sais probablement depuis ce jour que cette valeur-là, ben, est pas mal en haut de ta liste. Donc, si tu veux atteindre un bonheur, si tu veux avoir un mieux-être qui est le tien, tu gardes cette liste-là en tête. Puis quand tu t'appropries un nouveau projet, quand tu acceptes quelque chose, tu valides. Est-ce que c'est conséquent avec mes valeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment venir participer à mon épanouissement? Parce que des fois, c'est bien emballant, puis on aime l'idée de, tu sais, je vous donne un exemple. Moi, j'aime bien ça, l'idée d'aller faire du camping. En pratique, j'aille ça.
j'ai ça. Mais là, je vous donne un exemple un peu cocasse, mais c'est pour dire que si on a ça en tête, plus on apprend à se connaître, plus on est proche de nos valeurs, bien, plus on va être heureux, puis plus on s'éloigne de l'anxiété, puis de la dépression, puis du burn-out, puis de l'épuisement. Tu sais, toutes ces choses-là qui ne sont pas le fun. Là. Fait que le travail est peut-être un peu difficile, surtout quand on est moins habile, mais on en retire beaucoup, beaucoup de choses là, de prendre ces deux minutes-là pour ça. Chez les coachs, on dit faire le scan. Bon, qu'est-ce qui se passe? Là? Puis là, tu descends, puis autant le physique que le mental, là, on fait le scan. Oui, puis c'est... Pour moi, c'est de prendre du recul aussi, puis de prendre conscience. Hein. C'est souvent tout le temps, moi je le ramène souvent à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Hein. Et pour être capable de prendre conscience de ça, c'est comme, moi en tout cas, je le vois comme s'il faut que je, bon là c'est pas psychotique, là, mais comme s'il faut que je sorte de moi-même pour être capable de me voir objectivement. Qu'est-ce qui se passe? Un peu comme si je suis dans un train, mais quand je suis dans un train, je suis sur le pilote automatique, je m'en vais dans la direction, puis c'est comme petit guidou, je commence par aller là, puis je remarque pas, tu sais, ça va tellement vite là, sur les deux côtés, puis je remarque pas, tandis que, hey, si je sors du train, puis je m'en vais en haut de la butte, puis je regarde le petit train qui va, puis je suis comme, ah, oh, il s'en va-tu dans la direction que je voulais qu'il aille? Là, je peux avoir une perspective qui est comme plus large de dire, je sais c'est où qu'il s'en va, je sais d'où qu'il vient, je sais où qu'il est rendu à ce moment-là. Puis là, je peux vraiment plus me diriger à savoir, est-ce que je suis encore alignée? Puis comme tu disais, est-ce que je suis encore alignée avec mes objectifs? Donc, mes objectifs, c'est dans le futur, basé sur mes valeurs qui sont au niveau de l'importance, donc la racine, hein, la base. Puis justement, j'aime ça que tu parles de valeurs parce que ça, on va en parler... La semaine prochaine, dans le fond, dans, avec l'astuce s'accepter, finalement, d'être en mesure d'être bien avec ses valeurs, parce qu'effectivement, si on agit contre ses valeurs, à ce moment-là, on va ressentir plein d'émotions hein, qui sont comme pas agréables. Et c'est là que, à force d'accumuler ces émotions-là, tu sais, je veux dire, moi, je réalise là, que toutes les problématiques en santé mentale, là, ils ont toutes une base au niveau de les émotions. OK? La dépression, c'est une tristesse qui est accrue. L'anxiété, c'est une peur qui est accrue. L'agressivité, c'est de la colère qui est mal gérée. Tu sais, les troubles alimentaires, c'est au niveau aussi, ça peut être aussi au niveau des émotions. Au niveau de la dépendance, c'est la fuite des émotions. Au niveau des maladies, c'est de l'accumulation aussi que ça peut être des émotions. T'sais, je veux dire, ils ont toute une base au niveau des émotions. Puis je me dis, my gosh, que ça, c'est un gros morceau, là. Tu sais, si à tous les jours, on prend le temps de voir comme... Déjà, juste parce que honnêtement, là, comment ça se passe, là, on s'entend. Là. Moi, je veux que les personnes, admettons qui regardent, là, puis qui se disent, « Ouais, je commence par où, man? » Genre, comme sérieux, là, je commence par où? Là, tu travailles avec des ados, en plus. Avec des ados? Non, mais avec ton langage que tu utilises, là, ça oui. Sonne ado, là. Hey, « Man, je commence par où, genre? » Ah, ben oui, je pourrais parler avec les ados, mais je parle aussi aux adultes. Je parle à tout le monde, mais c'est vrai que ça, c'est mon langage naturel, des fois, de Elmer, de mon ancien temps. Mais vraiment, la question à se poser, c'est on commence par où? Puis je pense que c'est, tu sais, on parle souvent, mettons, de certains blocages qui peuvent nous empêcher. Fait que si on entretient une croyance de dire, ah, pleurer, c'est être faible, être en colère, ah, c'est pas beau, une femme en colère. Déjà, si on entretient ce genre de croyance-là, oublie ça, notre corps ne voudra pas même aller regarder nos émotions parce qu'il va y avoir un blocage. Si on est capable d'avoir un espace dans lequel on peut se sentir juste libre de parler, au début, là, on saura pas là, comment dire, ah, je suis en colère. « Ah, je me sens apeurée en ce moment. » Non, non. Ça va être comme « je suis pas bien. » »« Je suis pas bien ou je suis bien. » C'est comme un ou l'autre. On le sait pas au début. Il y a comme un langage à apprendre. Moi, je sais qu'il y avait quelqu'un que j'avais une liste des émotions. Tu sais, puis j'étais comme « ah oh, ouais, je me sens comme « ah, ah, tiens, ah, ça, ah, non, pas celui-là. » Tu sais, de mettre le doigt dessus, là, le mot sur le mot. Hein, de mettre le mot « M-O-T » sur le mot M-A-U-X, ça peut nous aider. Puis des fois, on n'a juste pas développé ce langage-là. Comme tu disais, Julie, on n'a pas été enseigné ça nécessairement quand on était jeune. Puis c'est quelque chose qu'on a besoin de développer un peu comme si on apprendrait une nouvelle langue, hein, l'anglais. Mais au début, ça ne sera pas naturel, ça ne sera pas fluide. Il va y avoir un décodage à faire dans notre cerveau, une traduction. C'est de la pratique. Est-ce que j'ai bien compris? Qu'est-ce que ça signifie?
T'sais, on peut aller valider avec d'autres personnes qui, eux, ont déjà une certaine connaissance et qui peuvent venir des fois nous pister, hein? Est-ce que tu te sens comme ça, etc., de venir valider pour justement nous apprendre à se donner le droit de ressentir, hein? Et d'être en mesure de voir qu'est-ce qu'on ressent. Et après viendra le pourquoi. Hein? C'est comme une étape à la fois, parce que si on essaie de prendre tout ça, une grosse bouchée à la fois, on est comme, mais on a une montagne, puis là, l'anxiété part pour les personnes qui sont comme, il y a une montagne devant moi, donc d'y aller vraiment une bouchée à la fois, tranquillement, de juste se donner le droit de ressentir, se donner le droit de vivre cette émotion-là, puis oui, ça peut venir avec un inconfort. T'sais, y a pas, je veux dire, est-ce que tu veux parler, Julie, justement, des signaux d'anxiété qui peuvent être présents, mettons, puis tu sais, que oui, des fois, ça peut être inconfortable, mais comment est-ce que les personnes peuvent, des trucs et astuces pour pouvoir mieux les gérer? Veux-tu nous partager ça? Oui, il y avait beaucoup de questions en même temps, là, les signaux et les trucs. Là. Je veux aussi insister sur quelque chose que tu as dit, se permettre de vivre les émotions. Souvent, tu sais, pleurer, être en colère, on va taire ça. Puis même dans la culture populaire, là, tu écoutes un film, là, c'est bien rare que le personnage principal va faire ce qu'on appelle du « ugly cry », tu sais, quand tu pleures, t'es lit de même, là. Non, la fille, elle va regarder son amoureux aller, puis elle va pleurer une petite larme au coin de l'œil juste pour dire ce qu'elle est forte. Puis, mais c'est pas comme ça. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est négatif, là? Si vous êtes mal à l'aise avec les émotions négatives, un des trucs qui m'a beaucoup aidé, c'est de se rappeler que tout ça, c'est notre humanité qui parle. Tu sais, être social, avoir de l'empathie, tout ça. Les mammifères ont ça. Toutes les mammifères ont ça. Tu sais, les baleines, les chiens. T'sais. Mais la colère, tu sais, moi, quand je vis, moi, dans mes valeurs bien hautes, il y a l'humanité puis la justice. Fait que quand je vois une injustice, là, ça monte, puis ça monte pas à peu près. Alors, c'est sûr que je peux pas partir foncer sa personne, puis il dit que c'est pas correct ce qu'elle se fait, mais je peux, par exemple, l'écrire, je peux en parler avec quelqu'un. Et là, tu me vois venir, je m'en viens tranquillement vers les signaux puis les trucs. Dans les signaux, au niveau du stress et de l'anxiété, c'est pas compliqué, c'est tout. Le stress et l'anxiété, là, tu vas parler de maux de tête, maux de ventre, étourdissement, perte de mémoire, tu vas avoir les mains moites, l'accélération du rythme cardiaque, l'hyperventilation. C'est sûr que ça dépend. Si tu es en crise de panique, là, tu vas avoir ces symptômes-là dans le plafond. Ouais. Si tu fais de l'anxiété, tu vas peut-être juste avoir troubles de digestion. Tu vas avoir difficultés un petit peu respiratoires, là, dans le sens où est-ce que si tu demandes un effort un peu à ton corps, même si tu es en forme, tu vas te trouver à respirer fort. Ça va aussi jouer sur le sommeil beaucoup. Quand tu fais de l'anxiété ou quand tu vis beaucoup de stress, tu as de la misère à t'endormir parce que ça n'arrête pas dans ta tête. Alors là, tu as une qualité de sommeil plus ou moins et des heures de sommeil plus ou moins. Qui affecte ta manque de fatigue, affecte, puis là, ça devient comme un cycle vicieux dans lequel tu peux facilement embarquer. Ouais. Vraiment. Ah oui, vraiment. Fait que on disait tantôt, il y a autant de symptômes qu'il y a de gens sur la terre, puis c'est exactement ça. Le stress, l'anxiété, ça affecte à peu près tout, là. Je pense que tu peux comme continuer à marcher si tu fais du stress, mais c'est à peu près ça, là. Et encore, il y a des gens qui sont cloués au lit quand tu es dans un gros trouble d'anxiété généralisée, par exemple. Crise de panique. Tu es cloué puis tu fais rien, là, tu sais. Alors, c'est ça. C'est ça. Ça peut affecter à peu près tout. À peu près tout, là, au niveau des symptômes. Pour ce qui est des trucs, là, c'est complexe parce que la première des choses, c'est de tu sais, le stress et l'anxiété sont enracinés à même place. C'est des peurs et des idées, OK? Mm-hmm. Une impression. Mais le stress se sépare un peu de l'anxiété au niveau où est-ce que l'anxiété, c'est une peur qui est irrationnelle et le stress peut être basé sur quelque chose de réel, un risque réel. OK? Si je me promène dans Central Park, New York, puis je te dis, hey, j'ai peur qu'on se fasse attaquer par un ours, anxiété, ça se peut, mais c'est très peu probable. Bon. Par contre, un stress, mettons, stress financier, jeudi, c'est ma paye, j'ai mes comptes à payer, il y en a un qui est un petit peu plus gros que l'autre, c'est un risque réel. Alors, ça, c'est important de faire la distinction entre les deux parce que tu ne vas pas gérer les deux de la même façon.
L'anxiété qui est basée sur des peurs qui ne sont pas nécessairement rationnelles, il va falloir que tu travailles plus sur la pleine conscience, par exemple. Faire la pleine conscience, c'est merveilleux pour l'anxiété, puis c'est simple. C'est des choses comme, nomme-moi, par exemple, 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux sentir, 3 choses que tu peux toucher, 2 choses que tu peux goûter. Qu'est-ce que ça fait? Ça ramène la personne au moment présent. OK? Si vous avez une personne que vous voyez là, qui est empêtrée dans ses pensées puis qu'elle vous parle de situations, c'est des scénarios, moi j'appelle ça des scénarios. Elle vous parle de scénarios qui, voyons, pourquoi tu as peur de ça? Ça n'arrivera pas. Il dire quelque chose genre, mets un glaçon dans ta bouche. Fait que là, la personne, il faut qu'elle trouve un glaçon. Au Mexique, là, il y a peut-être un petit défi. Puis ensuite, le froid dans sa bouche. Ah non, il y en a. Tout est dans le congèle. À côté du tequila. Mais, puis la sensation froide là, dans la bouche va saisir la personne puis va ramener. Alors, au niveau de l'anxiété, quelqu'un qui n'est pas dans une pathologie, c'est bien important. Là. On parle de quelqu'un qui fait de l'anxiété plus fonctionnelle parce que pathologie, il faut être suivi de toute façon. Là. C'est de ramener dans le temps présent, dans le moment présent. Si tu peux aller chercher, certaines personnes sont capables de nommer ce qui provoque l'anxiété chez eux. OK? La situation financière, c'est un gros problème souvent. Le travail, toutes ces choses-là. Mais il y a des personnes qui ne sont pas capables de trouver le point de départ. Parce qu'on se disait tantôt, hein, des fois, ça revient à la petite enfance. Là, tu peux avoir vécu quelque chose. Alors, c'est de mettre en place des choses qui vont te calmer et qui vont te ramener là. Le stress, tu peux être comme plus proactif avec ça. Parce que, tu sais, le stress, là, la définition, c'est l'impression de ne pas avoir assez de ressources pour répondre à la demande. Fait qu'à partir de ce moment-là, si tu dis « j'ai pas assez d'argent pour payer mes billes jeudi prochain », peut-être je peux appeler Hydro. T'sais, si j'ai payé dans une semaine, il devrait pas fermer. Fait que tu peux avoir des façons de gérer ton stress un petit peu plus facile que l'anxiété. Je dis pas toujours, là, mais un petit peu, parce que t'es dans la réalité, fait que tu as des moyens concrets. T'sais. Si j'ai peur de me faire attaquer par un ours dans Central Park, pas grand-chose que je peux faire pour ça. Là. Puis j'imagine que la pire chose que tu pourrais dire à quelqu'un, ça serait-tu de confronter un peu ces pensées-là? Est-ce que ça va faire en sorte que, tu sais, comme, admettons quelqu'un qui vit de l'anxiété, là, c'est quoi la pire chose qu'ils peuvent faire, là, finalement, ou quelqu'un qui veut intervenir avec quelqu'un qui vit de l'anxiété, comme qui va faire en sorte que, oh my gosh, au lieu de l'aider, c'est comme, tu sais, exemple, si je nie, puis je fais comme, hey, non, il n'y aura pas d'ours, là. C'est comme, hey, là, je viens de le trigger encore plus. Comment ça fonctionne? Écoute, la confrontation, confronter la personne avec ses peurs, c'est une façon de thérapie, mais c'est très, très, très important. Il faut le faire accompagner par un professionnel. Moi, je ne peux pas faire ça avec ma chum, là. Je vais l'amener d'un mur, c'est sûr et certain. Mais c'est une façon de... C'est une thérapie qui est reconnue et qui fonctionne. OK? Fait que tu as peur des araignées, voici une araignée, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches en dessous du bureau, je vais te l'approcher. Mais il faut le faire petit à petit. Puis c'est comme je vous dis, il faut vraiment avoir des professionnels pour faire ça. OK? Dire à quelqu'un qui fait de l'anxiété que ça va bien aller, c'est très mauvais. Mais parce que c'est comme dégradant, on dirait. C'est comme de nier ce que la personne a vécu. Exactement. On parlait, il faut vivre les émotions. Si tu dis à la personne que ça va bien aller, tu viens de dire qu'elle n'était pas en contrôle de ce qu'elle fait puis qu'elle est comme un peu nounoune parce qu'elle s'inquiète d'un ours dans Central Park, tu comprends? Mm-hmm. Alors, l'inverse de ça, ce qu'il faut faire, c'est de dire, OK, pourquoi tu penses ça? Puis la personne, elle va se faire un autre truc qu'on peut prendre pour l'anxiété, c'est de faire le pire scénario possible. Oui, ça j'aime. Alors ça, c'est un exercice qui est quand même assez confrontant, qu'on va s'en aller dans des places pas le fun puis noires, parce que là, on parle, tu sais, je vous donne un exemple cocasse de l'ours dans Central Park, mais l'anxiété, on peut descendre dans des affaires vraiment inconfortables. Là. Puis idéalement, on l'écrit crayon-papier, vraiment. Oui. Parce que quand on écrit, on va stimuler des parties de notre cerveau qui ne sont pas stimulées quand on écrit au clavier ou quand on le fait verbalement. Okay? Donc, on va amener notre cerveau à pousser la réflexion beaucoup plus loin. Et la deuxième raison, c'est que quand on le fait par écrit, on le garde.
Okay? Et on peut le lire après. Et on peut le lire après, exactement. Donc, je fais mon pire scénario possible. Moi, là, je ne suis pas capable de payer mes comptes jeudi prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Bien là, écoute, je vais me faire débrancher hydro. Je vais perdre ma maison. Mon chum va me divorcer parce que je n'ai pas payé les comptes. Je vais perdre mon chien parce que je n'ai plus de maison. Je vais me retrouver dans la rue. Je vais m'en aller prostituer. Je vais faire de la drogue puis je vais mourir, OK, au bout de 2 mois. Ça, c'est mon pire scénario possible. Alors, j'écris ça. Puis là, quand ça va mieux, c'est important d'être dans un bon état d'esprit. On médite un petit peu, on se ground, on fait un petit peu de pleine conscience. On prend notre pire scénario et on le lit. Et là, étape par étape, OK, ça n'arrive pas du jour au lendemain, il faut faire l'exercice plusieurs fois. À force, on le lit, puis à un moment donné, on va sourire en se disant, mais voyons donc. C'est vrai? Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? Et puis, la magie là-dedans, tranquillement, là, le processus va arriver où est-ce que tu n'auras plus besoin nécessairement de lire ton scénario. Puis là, dans ta tête, tu vas dire, puis là, tu disais que tu te parlais, c'est super santé mentale se parler, hein? Faut oui, le faire. Alors, dans ta tête, tu vas dire à ton cerveau, « Hey, mon cerveau, Krim, c'est vraiment le fun que tu me représentes ce scénario-là. Mais sais-tu quoi? On l'a déjà vu. Ça ne me dérange pas si tu veux y aller. Il faut accueillir la pensée. Hein? On a comme réflexe beaucoup de combattre l'anxiété. Non, 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 il ne faut pas que je pense à ça, ça va bien aller, il faut rester positif. Non, 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 non. Tu l'accueilles. Tu veux penser qu'on va se ramasser dans la rue dans 2 semaines? Parfait, on peut y aller, ça ne me dérange pas. On l'a vu, ce film-là, par exemple. Mais c'est correct. Puis éventuellement, ça va faire comme quand tu écoutes un film catastrophe. Là. Tu sais, tu écoutes un film catastrophe qui ne se passe pas au Québec, puis que là, c'est des tornades, puis des volcans, puis plein d'affaires qu'on n'a pas ici. Puis que là, tu regardes ça, puis tu es comme, bah, c'est un beau divertissement, j'ai eu peur un peu, mais c'est tout. Là. Puis après ça, tu vas faire ta vie. Puis là, il va se passer ça avec tes peurs qui créent de l'anxiété. Tu vas dire à ton cerveau, bah, c'est un beau divertissement, c'est correct, mais regarde, je sais que c'est peu probable que ça arrive, je ne me rendrai pas là. Fait merci de me l'avoir montré. Mm-hmm. Fait que là, tu pars d'un moment où est-ce qu'il faut que tu te groundes et que tu es en panique, jusqu'au moment où est-ce que, sur plusieurs étapes, au moment où est-ce que tu vas être toi-même en contrôle de tes pensées. Puis c'est ça la magie quand tu réussis à faire ça. Puis tu vois, j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions, de dire, c'est plus mes pensées qui me contrôlent, c'est moi qui contrôle mes pensées. Et là, tu es dans une sérénité. C'est sûr que, comme je vous disais tantôt, mon premier trait, c'est l'anxieux, ça fait que je ne vais pas changer ça, mais c'est moi qui est en contrôle. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu ou si Sarah, tu as d'autres astuces peut-être à partager. Mais moi, j'ai tellement envie de faire du pouce là, sur ce que tu dis là, parce que comme moi, c'est vraiment ça en thérapie là, que j'ai découvert. Là, puis ça a fait comme oh, wow là, dans ma tête. Là, c'était ça, c'était de comprendre que les pensées sont à la racine de les résultats dans ma vie ou de mes comportements ou de mes émotions finalement. Puis d'aller observer mes pensées. Puis tu sais, tu disais, c'est un processus. Moi, je me souviens, là, quand j'ai commencé ma thérapie, parce que moi aussi, là, c'était burn-out, dépression, dépendance, presque sous le bord de la séparation, mes enfants, j'avais envie de les tuer. Je t'ai rendue là, moi. OK? Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que je sorte de là. Puis je suis allée chercher des outils. Puis vraiment, un des outils, c'était d'écrire, dans le fond. Puis je te jure, à chaque fois que j'avais une émotion, ça me prenait peut-être 2 heures parfois. Là. Et je mettais des fois des 6 heures par jour, là, pour être en mesure de juste comme voir comme qu'est-ce qui se passait, parce qu'il y avait tout le temps des déclencheurs. Moi, mes enfants, il y avait beaucoup d'intolérance alimentaire. On parlait de nutrition, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'intolérance alimentaire. Puis, ah, que moi, ça déclenchait mon anxiété. Moi, quelqu'un qui n'était pas anxieuse nécessairement avant, tout à coup, je me mettais à être anxieuse et à être en tabarouette contre mon chum quand il faisait pas exactement comme je voulais. Fait que je voulais tout contrôler. Hein. C'est aussi un signe d'anxiété quand on veut tout contrôler notre environnement parce que, oh my gosh, il faut pas que ça nous déclenche parce qu'on saura pas quoi faire si ça nous déclenche. Et fait qu'avec mes filles, c'était ça. Là. Puis je veux dire, si, mettons, il y avait une crise de digestion, mettons, je me sentais coupable. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, j'ai pas donné la bonne chose. Là. Je suis en train de faire comme si je berçais ma fille, là. Mon bébé là, qui est en train de pleurer. T'sais. J'étais comme, oh non, puis j'étais même pas capable de l'accueillir. J'étais même pas capable d'être dans le moment présent puis d'accueillir sa souffrance parce que dans ma tête, il fallait pas qu'il y ait de souffrance. T'sais. Puis c'est à force de écrire puis d'aller tout dire genre, ah, mais, oh, je suis fâchée parce que. Ta-da-da-da. Moi, c'était vraiment c'était ça. C'était je me sens. Telle émotion parce que tanana. Puis des fois là, c'était parce que c'est son problème, parce que lui il a fait ça, ah, que j'étais dans le blâme là, de l'autre là. Tu sais, j'étais même pas encore dans le parce que j'ai besoin de non, j'étais pas là, là. Moi j'étais comme c'est sa faute, c'est eux qui ont fait ça. Fait que j'écrivais tout. Puis comme tu dis, à un moment donné, c'est
déjà d'être dans le processus de réflexion après, tu sais, faut prendre un moment de recul, hein, comme tu disais, de se calmer, parce que quand on est dans nos émotions, puis là, je vais le dire, puis je sais que j'ai toujours de la misère à chaque fois parce que c'est contradictoire dans ma tête, là, mais quand on est dans nos émotions, on est en mode sympathique. Notre cerveau est en mode sympathique, puis ça signifie qu'on n'a plus accès à toutes les zones de notre cerveau pour réfléchir. Puis c'est comme s'il y a un brouillard qui se fait dans notre tête. Et moi, souvent, je vais dire, ben c'est comme si je suis genre la face collée au problème. Fait que je vois aucune solution. Alors que si je prends du recul, là, je tombe en mode parasympathique. Moi, j'aurais tellement dit le contraire, mais c'est pas moi qui ai inventé les termes. Et là, on peut voir toutes les différentes pistes de solutions parce qu'on a pris du recul par rapport à la solution. Et donc, souvent, moi, j'écrivais, hein, puis là, j'avais hey, des fois là, des 10 pages. Là. Tu sais, c'est ridicule. Ah ouais. Mais j'en avais, là. Il y en avait pour. Puis à tous les jours, j'essayais de faire ce bilan-là, ce ménage-là. Et là, moi, je me posais deux questions à chaque fois. C'était est-ce que c'est vrai? Puis là, des fois, j'étais comme Ah oui, celle-là, là, c'est vraiment vrai. Ah oh, oui, c'est vraiment sa faute. T'sais. Puis après, je me disais, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile de me dire ça par rapport à où est-ce que je veux aller, par rapport à qu'est-ce qui est important pour moi? Eh, hey, boboy! Ah, qu'il y en avait une couple là-dedans qui était comme, non. Puis là, celle-là, oui, elle est utile parce que j'ai besoin de telle affaire. Ah, là, c'était comme, OK, donc j'ai besoin de lui dire que ça, non, j'aime pas ça, sinon c'est comme un non. Tu sais, tout se décortiquait à force de l'écrire et ça permettait de justement le mettre sur papier, le visuel. Puis en plus, quand on écrit, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être 12 000 pensées en même temps, le fait de l'écrire, c'est juste une pensée, une phrase qui sort en même temps, t'as pas le choix. Et ensuite, t'as pas le droit de dire, mais non, je me suis jamais dit ça. Tu sais, notre cerveau qui veut essayer de faire comme non, j'ai pas dit ça, puis t'es comme, ouais, mais tu l'as écrit. Ouais. Tu l'as écrit, donc tu te le dis, là. Fait que c'est comme, ça te permet de prendre conscience tellement plus rapidement. Puis effectivement, maintenant, j'ai plus besoin d'écrire, j'ai plus besoin de faire tout ce processus-là. Ça se fait naturel. Ça fait quand même 4 ans que je le travaille plus. Pas pour toutes les situations. Il y a encore d'autres situations que moi, je vais appeler une ligne d'écoute ou je vais me mettre à écrire. Je vais réutiliser ces outils-là qui ont fonctionné, mais ça devient plus aisé avec le temps. Mais le fait de l'écrire, ah, que ça a été une thérapie en soi. Oui, vraiment. Deux petites choses. Première des choses, vraiment important de ne pas se censurer. Non. Tu veux dire des insultes, des sacs, tu veux blâmer la planète entière. Allez-y, c'est le temps, c'est là. Au pire, si tu as peur que quelqu'un les trouve, tu les brûleras après ces feuilles-là, mais c'est vraiment important de ne pas se censurer. On a tendance à beaucoup faire ça, il faut bien paraître, hein? Fait qu'il ne faut pas que ça paraisse trop qu'on est fâché. S'il fallait que quelqu'un tombe là-dessus. Oh! Non, c'est ça. S'il fallait que quelqu'un tombe là-dessus, bien, t'es brûle ou t'es déchire. C'est ça. Et l'autre affaire, c'est que ce que tu dis là, Angélique, c'est tellement hot parce que là, on parle de stress, on parle d'émotion, on parle d'anxiété, on parle des sujets qui sont quand même importants et lourds, mais tout ça, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça rentre dans mes valeurs? Ça a un impact sur toute la vie. Tu sais, la vie de couple, tu sais, répondre à tes besoins. Ça m'a fait penser quand tu parlais, je ne sais pas si vous connaissez magnifique ouvrage, Le langage de l'amour. Oh oui! Écoute, répondre à tes besoins, c'est-tu utile? Tu sais, fait que tout ça, là, tu sais, les attentes, tout ça, là, à les attendre dans un couple, c'est-tu mortel, ça? C'est-tu mortel? Ça devrait être en comme fait, ça. Les attentes de façon générale, parce qu'on vraiment est toujours déçus. Vraiment, ben oui, déçus. Ben oui. Enfin, que c'était les petites parenthèses que je voulais ouvrir, mais si Sarah, tu as d'autres choses à rajouter. Ben, en fait, moi, ce qui fonctionne avec moi, sur des courtes périodes, c'est quand il y a des situations où j'ai l'impression que je vais embarquer dedans, je m'arrête. Une grande respiration. Puis, en fait, je vais me parler. Tu sais, je vais me dire, ce que tu as dit tantôt, Julie, parler à ton mental, de dire merci. Merci de me le montrer. Merci de me le dire que, peu importe la situation, je t'ai entendu, mais je fais ça pareil. Ouais. Fait que, ça vient calmer. Ça vient calmer son « faut que je te le dise, il faut que tu le fasses. » Non, c'est correct, je t'ai entendu, merci. Je te reviendrai tantôt. Puis là, tantôt, il revient jamais, mais oui. Puis l'autre chose, c'est de... J'ai une solution. Je suis poignée dans un dead end. C'est sûr qu'il y a un petit trail, là.
C'est sûr qu'il y a un petit quelque chose ici. Ben, je peux revirer de bord au pire. Fait que, à partir du moment où tu le sais que tu as une solution, tu viens de désamorcer une anxiété. Puis tu sais, ce qu'on vit avec la pandémie actuellement, là, c'est un peu ça, hein? C'est qu'on a l'impression, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'il n'y a plus de solution. Il y en a une solution, puis elle n'a pas l'air de venir. Fait que, quand tu leur amènes d'autres portes d'ouverture, de dire, ben tu sais, t'as peut-être ça, regarde cette affaire-là. Puis, tu sais, puis par rapport à la santé, ben c'est sûr que moi, avec la Naturo, ça va être plus par rapport à l'alimentation, à utiliser des plantes, à utiliser les huiles essentielles. Fait que d'amener à... T'en as d'autres possibilités. Fait que ça vient désamorcer. Puis souvent, c'est tu sors de cette situation qui est anxiolytique, là. Fait que, effectivement. Ah, oh, j'ai tellement envie de faire du pouce là-dessus parce que ça m'amène à me dire... Combien de fois, moi je m'imagine souvent, mettons, comme un soleil avec plein d'objectifs dans toutes les sphères de ma vie, là. Bon, avec beaucoup trop de projets dans toutes les sphères de ma vie, mais ça, c'est une autre histoire. Et ça fait en sorte que, tu sais, mettons, des fois, on fait face à un mur, hein, des fois, ou un blocage, ou est-ce que, comme tu dis, on a l'impression de ne pas avoir de solution. Ça se peut que dans certains domaines de notre vie, on fasse face à un mur. Ça se peut qu'en ce moment, la pandémie nous amène plusieurs murs dans lesquels on est comme wow! Mais moi, souvent, ce que je fais, c'est que je me dis, bien, c'est correct. OK, il y a un mur. On va prendre du recul. On va aller ailleurs. Tu sais, on n'est pas obligé de rester planté dans le mur en train de le regarder, le mur, en attendant qu'éventuellement, il y ait comme une solution qui apparaisse. T'sais, ça se peut que la solution, elle ne soit pas tout de suite, ici et maintenant. Ça se peut qu'à la fin. C'est d'amener ton regard sur une autre direction. De focusser mon énergie, mes ressources vers autre chose qui va m'apporter beaucoup plus de bien que le fait de réfléchir au fait que je suis face à un mur. Ça ne me fait pas du bien de rester face à un mur trop longtemps. Moi, je suis comme non, on va passer à autre chose. Tu sais, j'ai pas envie de souffrir. Moi, je suis comme j'ai pas envie de rester longtemps face à un mur. Fait que, bon, mon hyperactivité va faire en sorte que je vais rebondir tout de suite vers un autre projet pour essayer justement. Puis c'est une stratégie que j'utilise finalement. Puis c'est une stratégie que peut-être d'autres personnes utilisent. C'est une stratégie parmi tant d'autres. Mais ça, c'est celle-là que j'utilise parce que, comme tu dis, des fois, la solution, elle n'est juste pas là encore. Mais il y en a une qui existe. C'est juste que parfois, avec les outils, les connaissances, les ressources du moment qu'on a, la solution, elle n'est juste pas visible encore. Mais que ça peut venir avec le temps, à force de prendre du recul, d'aller chercher des informations. Combien de fois ça m'est arrivé d'aller ailleurs carrément, puis tout à coup, je tombe sur un autre projet, puis je fais comme « Ah! Oh, hey! » Puis là, ça déclic. Ah! Oh, puis là, je suis comme « Hey! » Oui, ah, voici la ressource vers laquelle je vais aller me chercher. Tu sais, exemple, je ne sais pas si c'est financier. Bon, ben OK, tu vas ailleurs, puis à un moment donné, ah, t'apprends, ah, il y a telle ressource. Ah oui, OK, hey, ben ça, c'est bon pour mes finances. Tu sais, d'être capable de savoir qu'il y a un blocage, d'être conscient des différentes sphères pour ne pas juste focusser dans une sphère, mais d'être capable d'avoir cette vision globale du restant de ta vie, puis de ne pas juste focusser, mettons, dans le négatif, mais d'avoir une vision en se disant, OK, mais il y a d'autres choses aussi qui fonctionnent. Il y a d'autres sphères de ma vie dans lesquelles je peux prendre soin en attendant de pouvoir agir finalement dans ça parce que faire face à de l'impuissance, c'est pas facile pour personne. Tu sais, il n'y a pas personne qui aime ça, ressentir ce sentiment de impuissance-là. Puis souvent, on a envie d'avoir un certain contrôle. C'est aussi d'accepter, hein? Oui, c'est aussi d'accepter. D'accepter la situation que tu es dans l'impuissance actuellement. Mm-hmm. Il n'y a pas de solution. Là! Là. Il y en a une à quelque part. Mais quand, à partir du moment où tu acceptes, tu dis, OK, pour l'instant, j'en ai pas. Parce qu'à partir du moment, quand tu l'acceptes pas ou que tu veux pas le voir, tu vas tout le temps, tu vas vouloir aller traverser le mur. Oui. Tu veux le pousser, tu veux le traverser, tu veux le défaire. Ben, le mur, il est là. Fait que j'accepte que là, je suis face au mur. Mm-hmm. Peux-tu m'arrêter? OK. Y a-tu autre chose? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est sûr qu'il y a autre chose. Mm-hmm. Il y a un appel à quelque part, il y a quelqu'un, tu as un ami, il y a toujours une possibilité. Puis moi, je me dis, c'est à ces moments-là que c'est le mieux là, de tendre la main vers quelqu'un, d'aller, tu sais, de pouvoir s'entourer de gens qui vont parfois nous aider à prendre du recul un peu par rapport à quelque chose qui va être un peu plus objectif parce qu'eux, ils ne seront pas dans nos bottes, dans notre situation. Fait qu'ils peuvent nous amener une
perspectives différentes qui va nous amener à avoir un focus, un peu comme tu disais tantôt, tu sais, dis à quelqu'un, hey, mets un glaçon dans ta bouche, ça change le mal de place ou la réaction de place, le focus, l'énergie, l'attention finalement de cette place-là et ça l'amène à prendre du recul un peu. Puis juste tantôt, vite fait, là, quand on parlait de toutes les pensées là, qu'on avait puis de comment être capable de gérer ça, tu sais, déjà, mettons, tu sais, d'être capable de se dire, ben j'accepte. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien, ça, c'est une pensée hein, qu'on peut avoir. Donc, autant qu'on peut essayer de gérer les pensées qui viennent. Hein. Fait que moi, souvent, je vais dire, je les entends. Ça ne veut pas dire que je suis obligée de les écouter. Hein? Donc, je les entends, je les accueille, mais je ne suis pas obligée de dire, oui, je vais t'écouter puis je vais aller dans cette direction-là. J'ai le droit de faire comme, ben, je t'entends, mais je préfère aller dans une autre direction. Mais l'autre direction, c'est une nouvelle pensée. Souvent, hein, c'est, on sème une nouvelle graine dans notre cerveau. Et là, on parle presque de la PNL, mais c'est comme, c'est d'ailleurs ça, de la programmation neuro-linguistique. Donc, souvent, moi, je vais dire, à la base d'un comportement, hein, il y a une racine, hein, à la base d'une fleur, exemple, il y a une racine, puis si jamais c'est une mauvaise herbe qui pousse là, ben c'est comme un résultat dans notre vie qu'on ne vous souhaite pas, ben il y a une racine à ça, une croyance, des pensées associées à ça, puis quand on réussit à aller accrocher ça, à les enlever finalement, et à les remplacer avec une nouvelle graine, ça fait qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va pousser, donc d'être en mesure de se parler avec des pensées positives, mais tout en ayant de l'accueil par rapport à tout ce qui est là déjà présent, sans combattre, mais juste accueillir et dire j'entends, tu sais, puis de dire, ça veut pas nous en dire, tu sais, de faire l'avocat du diable avec nous-mêmes. Ah, la caméra est partie, mais elle va revenir. OK. J'en suis certaine. On a perdu. Écoutez, pour toutes les personnes qui sont là présentement, qui nous écoutent parler depuis 1 heure, je sais que là, bientôt, on va devoir terminer la capsule, mais. Je veux juste savoir, est-ce que ça vous aide, tout ce qu'on partage en ce moment? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de partager? On n'est pas en live, on est en pré-enregistré, mais n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. D'ailleurs, juste de nous mentionner que vous avez écouté la vidéo, ça va nous faire plaisir au moins de savoir un peu c'est quoi l'impact que ça a sur la communauté. Parce qu'on le fait aussi pour pouvoir justement venir outiller, venir partager aussi notre vécu, s'ouvrir à vous, puis de partager un peu des trucs et astuces. Donc, écrivez en commentaire, tu sais, comment que vous trouvez ça. Y a-t-il des choses qui résonnent? Y a-t-il des prises de conscience, des petites lumières qui s'allument? Y a-t-il des choses qui résonnent? Est-ce qu'il y a un travail que vous dites, hey, ouais, j'ai déjà fait ça, moi, comme travail, je suis déjà rendue là, yes, good job? Parce que c'est important de se féliciter, on va le voir dans l'astuce d'accepter ça. Donc, y a-t-il des choses, tu sais, qui résonnent en vous que vous désirez partager? Écrivez-les dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci. Sarah, tantôt, tu voulais dire quelque chose avant que j'ai parti sur le petit entendre, mais pas écouter. Je sais plus. Parce que tu disais des trucs. Moi, j'ai quelque chose qui m'aide énormément. Quand je suis dans un moment de crise, je me suis entendue avec une de mes amies que je peux l'appeler, puis j'ai dit, j'ai besoin de péter ma coche. Là, va m'écouter. Rien que ça. Je pète ma coche. Nous autres, on se dit, on se décharge, on se vide. Il n'y a aucun jugement. Parce que des fois, on le faisait, mais sans s'aviser. Fait que l'autre recevait toute cette horreur-là. Fait que là, on s'est dit, fais rien que me le dire, puis je t'écoute, tout va bien. Fait que, effectivement. Oui. Puis après ça, ça fait du bien. J'avais rien besoin de le dire, j'avais rien besoin de le sortir. Fait que, effectivement. Oui. Merci, Sarah. Julie, tu voulais dire quelque chose? Ben oui, vu qu'on approche de la fin, il y a des outils aussi que je peux recommander aux gens au niveau de gestion du stress et de l'anxiété. En fait, c'est des bibles dans ma vie. Alors, le premier parle de la thérapie ACT. On a parlé un peu de la diffusion des pensées, c'est ça. Oui. Le piège du bonheur par le docteur Harris. Oui. Évidemment, lui, c'est une sommité là, dans la thérapie ACT. Et si vous dites, hein, mais moi, je ne suis pas tellement un lecteur, j'aime pas tellement ça, eh bien, il vient en illustré. Alors, même pas d'excuses. Vous pouvez l'avoir en texte ou en illustré. Personnellement, j'ai mieux aimé le texte parce que je suis une intellectuelle, mais l'illustré fait bien la job. Il y a déjà cette copie-là a aidé beaucoup, beaucoup de personnes. Fait que le piège du bonheur de un et le deuxième livre qui est absolument exceptionnel, L'anxiété sans complexe, écrit par une docteure. Tu peux voir que... tout est annoté. Oui, c'est ça. C'est un
premièrement, c'est un beau livre, tu sais, visuellement, là, il est très, c'est très agréable à regarder, mais beaucoup de trucs, tu sais, là, regarde, vraiment, tu sais, des trucs applicables et concrets pour gérer son anxiété. Et puis, la docteure qui l'a écrit, je ne dis pas son nom, mais j'ai peur de mal le prononcer, là, docteur Sophie. Elle a souffert beaucoup, elle, d'anxiété, elle a souffert de troubles alimentaires, tout ça. Donc, un beau, beau livre, deux beaux livres qui sont mes bibles au niveau du gestion du stress et de l'anxiété. Merci beaucoup, Julie. Sarah, toi aussi, est-ce que tu as des choses aussi à recommander? Parce que je sais que, ben, vous aussi, vous pouvez aider les gens, finalement, avec un peu leur gestion d'anxiété. Donc, tu sais, si vous qui écoutez à la maison, c'est quelque chose qui vibre en vous, que vous aimez l'énergie de ces deux expertes-là aussi, puis que c'est quelque chose que vous recherchez, que vous identifiez, que vous dites « Oh my gosh, c'est vrai que je vis ça », peut-être pas au niveau dysfonctionnel, parce que comme elle avait dit Julie à ce moment-là, c'est vraiment au niveau médical, dans le sens que… Mais il y a des choses qu'on peut faire à tous les jours quand même pour vraiment améliorer, c'est vraiment de prendre conscience, puis d'accueillir, puis comme on l'avait dit tantôt, des petits trucs, là, ça c'est sûr que… C'est toutes des choses dans lesquelles vous pouvez faire et que vous pouvez être accompagné aussi là-dedans pour ça. Et on pourra mettre vos liens, dans le fond, pour les deux experts, pour si les gens souhaitent vous rejoindre pour communiquer avec vous, pour pouvoir avoir encore plus de trucs et surtout un accompagnement là-dedans. Sarah, tu voulais dire justement, toi, oui. Qu'est-ce que tu peux apporter? Oui. En fait, effectivement, parce qu'en naturopathie, la base, c'est l'alimentation. Hein. Et il y a beaucoup de choses, en fait, de savoir. Je parlais tantôt de la structure alimentaire. Quand tu donnes à ton corps ce que lui a besoin, tu es capable beaucoup de diminuer l'inflammation de ton système. Et quand ton corps fonctionne mieux, tes idées sont plus claires, ton mental est plus clair. Tu es beaucoup plus apte à mieux réagir au lieu de d'être toujours un peu sur le piton panique. Fait qu'il y a des aliments qui vont t'aider, il y a des aliments qui vont te nuire. Donc, d'apprendre à les reconnaître. Et pour soi, il y a certains aliments qui vont être corrects pour toi, Angélique, mais qui ne le seront pas pour Julie. Donc, d'apprendre à le reconnaître, bien, c'est ce que je fais. J'accompagne les gens pour qu'ils soient capables de mieux s'alimenter en fonction d'eux-mêmes et de leurs particularités. Il y a des plantes, il y a beaucoup de plantes qui vont aider à diminuer l'effet de l'anxiété sur le système. Il y a des mélanges que je travaille beaucoup avec. Il y a des huiles essentielles, tu as parlé de doTERRA tantôt. Je travaille beaucoup avec eux autres parce que c'est simple d'utilisation pour les gens. Ils ont déjà des mélanges. Fait que tu n'as pas besoin de grosse formation pour apprendre à les utiliser. Fait que des mets en diffusion, tu les utilises pour sur toi. Fait que des fois, rien que ça, là, d'avoir ça là, qui va t'aider à te calmer, là, c'est rien que ça va t'aider à passer au travers la situation dans laquelle tu es en train de ce que tu es en train de vivre. Mm-hmm. Fait que ce que je fais, c'est ça, c'est d'accompagner les gens à les aider à mieux se comprendre puis à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Exact. Puis comme tu as dit aussi, c'est quand on est à l'écoute de nos besoins puis qu'on est capable de reconnaître un peu c'est quoi nos besoins, que ce soit physique, hein, donc oui, l'alimentation, mais aussi le sommeil, de l'exercice, etc. C'est comme le besoin de bouger, le besoin d'être en sécurité, le besoin, tu sais, je veux dire, on l'a vu aussi dans l'astuce se ressourcer, hein, donc d'être capable de répondre à nos besoins autant physiques que psychologiques, hein, le besoin d'être aimé, d'être reconnu, de créer, etc. Quand nos besoins sont répondus, on est plus en état calme, hein, on est plus en mode, ben, dans le mode, comment il s'appelait encore, là, le mode parasympathique, hein? On est comme ça, hein, non, on est plus zen. Puis on est moins réactif par rapport à tout et donc on est moins susceptible d'être en réaction. Puis moi, souvent, je dis, tu sais, les gens, ils disent, ouais, mais c'est quoi être en réaction? Mais quand tu pètes ta coche, quand tu es vite le piton, quand tu as un sentiment d'urgence solide, quand que, je sais pas, tu as eu un comportement que tu n'aurais pas pensé nécessairement que c'était comme sur le coup, quand tu as réagi, puis après tu es comme, ah non, pourquoi j'ai fait ça? Bien, ça, c'est comme une réaction, hein? Ça se passe vite. Souvent, c'est instinctif, hein, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est intuitif, c'est-à-dire que c'est comme l'instinct qui embarque, mais c'est pas nécessairement que le comportement que tu as eu était en ligne avec tes valeurs, donc souvent c'est pour ça. En fait, c'est l'instinct de réaction. De réaction. C'est l'instinct de ce que tu as réellement besoin, c'est l'instinct de réaction parce que ton corps, il n'est plus capable, il est rendu ouais. là. Le stress et l'anxiété, c'est des réponses naturelles et normales. Tous les mammifères font du stress et de l'anxiété. Fait que cet instinct-là, il est très fort. Excuse-moi, Sarah, tu disais. Non, en fait, c'est ça. Puis mais tu sais, comme tu disais, Angélique,
tu as mal au dos. Bien, si tu as mal au dos, c'est ponctuel, c'est correct. Mais si tu as mal au dos puis que ça fait longtemps que tu as mal au dos, ça, ça vient amplifier. Là, tu rentres dans la souffrance et tu es moins apte à gérer tes émotions. C'est un trouble digestif. T'sais, oui, ça peut être une cause, mais ça peut être aussi un effet. Oui. T'sais, les deux, des fois, se chevauchent. Fait que si tu viens gérer ton trouble digestif ou ton mal de dos, ben tu vas être capable de mieux gérer ton stress, ton anxiété. Tu es plus capable de gérer ton stress, ton anxiété, mais tu as moins mal au dos. Les deux sont reliés. Donc, moi, je dis, à partir du moment où tu as un problème de santé, un déséquilibre dans ta santé, il faut le gérer. Tout à fait. Avec. Tout à fait. Que ce soit dans un déséquilibre de santé physique ou un déséquilibre de santé mentale, parce que, comme tu vois, par exemple, moi, quand j'étais en burn-out, je m'épuisais. Puis à un moment donné, mon corps ne suivait plus. Hein. Moi, c'était comme amygdalite, otite, sinusite, bronchite, nomme-les toutes, là, les hits. Puis oui, bien sûr, j'ai pris les antibiotiques, puis j'ai continué. Jusqu'à un moment donné, je fasse comme OK, je peux plus. Et finalement, que je sois clouée au lit, tu sais, puis que je puisse plus avancer. Puis que là, ensuite, ben là, la dépression embarque parce que là, mais je me sens donc bien nulle, je suis plus capable de faire rien. Hein. On en parle des fois de nos pensées, comment que des fois, on est capable de s'autodétruire avec notre propre pensée. On va le parler de ça, malheureusement, dans l'astuce s'accepter que des fois, on s'auto-critique, hein, fait qu'on s'auto-détruit nous-mêmes. Puis on est comme, ah non, je suis nulle, ah, je suis pas capable de faire parce qu'on n'est pas capable d'agir, parce que notre corps n'est pas capable de suivre, puis qu'on n'est pas capable d'accepter, hein, cette situation-là, puis de faire le deuil de ce qu'on aurait voulu que ça soit et ce qu'on pense que ça devrait être au lieu de qu'est-ce que c'est réellement et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tu sais. Puis aussi, oh my gosh, il y a tellement de choses que j'aurais envie de faire. Ben oui. Le deuil, ouais, le ça, deuil des situations, c'est tellement large, tellement... là. Ouais, c'est tellement important aussi, là. Hey, à la maison, là, il va falloir qu'on revienne pour une prise 2, là, parce que là, je pense que ça va être assez pour vous aujourd'hui. J'espère que ça a été vraiment bénéfique. Est-ce que vous avez un mot de la fin que vous désirez partager? Oui, moi, j'en ai un. Est-ce que tu me donnes 2 secondes? Donne-moi 2 secondes. Ah, je reviens. J'ai un petit problème à régler ici. Vas-y. Parfait. On va mettre pause sur l'enregistrement. Ben, attends, tiens. Je suis sincèrement désolée. Je reviens. J'ai une petite urgence à régler. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin avant qu'on termine cet atelier, ben, cette entrevue-là entre experts? Je laisse y aller, Julie. OK. Moi, j'aurais envie de terminer sur une note positive. En fait, quand on arrive dans le contrôle de sa pensée, quand on arrive dans l'espace zen là, dont tu parlais tantôt, là, où est-ce que tu sais, oui, t'accueilles, tu laisses aller, puis tu trouves ton équilibre là-dedans. Ce qui est fabuleux, c'est que oui, tu es dans un espace zen, puis tu es dans une sérénité, mais là, toute l'énergie que mangeait ta non-gestion de tes émotions, elle est disponible pour ta créativité. Alors là, tu peux t'en aller dans des choses absolument merveilleuses, faire 50 000 projets qui te passionnent et qui sont conséquentes avec tes valeurs, puis que tu te dis, ben ma foi, je suis pas arrêtable, c'est donc bien le fun. Alors, non seulement on trouve un équilibre, mais en plus, on devient la meilleure version de soi, puis là, il n'y a rien qui nous arrête. Les humains, on est vraiment, quand on se concentre dans ce qu'il y a de mieux en nous, là, on est exceptionnel. Quand on est aligné, là, c'est comme on se sent sur notre X. C'est ça aussi qu'on veut, hein, dans une bonne santé mentale florissante. C'est quand on se sent sur notre X, on a le pouvoir d'agir. On est même capable de contribuer aux autres parce que nous, pas notre réservoir d'émotions qui est plein, mais notre réservoir d'amour, notre réservoir de ressourcement. On est ressourcé, on est bien avec soi, dans le fond, puis d'être vraiment capable de gérer les défis au quotidien, qu'est-ce qui arrive, d'être capable de rebondir, d'être capable d'analyser la situation, d'être capable de faire un tri, hein, comme on dit, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est utile, puis tu sais, souvent, on n'a pas tout le temps le pourquoi, hein, de qu'est-ce qui arrive de cette émotion-là, pourquoi, mais on peut choisir le comment. Hein. Des fois, on ne sait pas pourquoi qu'on a cette émotion-là, mais comment est-ce qu'on a envie de réagir, comment est-ce qu'on a envie d'agir, ça, c'est comme tu disais, vraiment basé par rapport à nos valeurs. Quel comportement est-ce qu'on a envie d'avoir et quelle pensée est-ce qu'on a besoin d'avoir pour avoir ce genre de comportement-là? Moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant là, quand que je faisais ces pratiques-là. Je me disais, oh, mais c'est magique. Puis comme tu dis, ah, ça libère, là, ça fait du ménage. C'est comme si tu arrives dans ta maison,
C'était le bordel. Tu n'avais même pas envie de rentrer chez vous parce que dès que tu rentrais, tu avais des boîtes partout. C'était la vaisselle qui traînait. Puis tu es comme, ah, oh, que j'ai juste même pas envie de voir mon appartement. Et que là, tu arrives, puis ta maison, tu sais, elle sera jamais spick and span, comme tu disais, Sarah. Il va peut-être avoir une petite accumulation parce que, bon, avec les années, on en a accumulé du stock. Mais il y a comme un ménage qui se fait. On peut voir le comptoir. Il y a une satisfaction. Une satisfaction. Et c'est là qu'on peut vraiment transformer vers des émotions qui sont positives, qui sont agréables. Et là, bien, ressentir, ça devient tellement plus fluide, tellement plus naturel et surtout tellement plus agréable. Parce que là, au lieu de se couper de tout ce qui était négatif, mais aussi de tout ce qui était positif, on devient flexible et d'être capable de vivre finalement tout ça, puis de goûter aussi à des moments de joie, de bonheur, d'enthousiasme, de motivation, etc. Oui, merci Julie de vouloir terminer sur une note tellement positive, puis j'y crois sincèrement que c'est possible, c'est possible. Et pour toi, ça reste que tu as un mot de la fin que tu aimerais partager? En fait, ce que je dirais aux gens, c'est d'être présent. D'être présent à soi, d'être présent à ce qui se passe à l'intérieur d'eux autres. Pour moi, là, c'est la première chose. Peu importe ce que tu vas faire, si tu n'es pas présent à ce qui se passe en toi, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, tu ne pourras pas aller de l'avant ou ça va être très limité. Fait qu'à partir du moment où tu es présent, tu es conscient et tu acceptes. Souvent, c'est ça qui est difficile, d'accepter. C'est facile de dire, OK, j'ai mal là, mais je peux-tu accepter que ce que j'ai fait, c'est ça qui m'a amené là? Et c'est souvent ça qui est difficile, cette acceptation-là. Fait que d'accepter d'être conscient, je pense que pour moi, en tout cas avec mes clients, ça a été aussi beaucoup la clé de la solution qui leur a permis d'avancer, puis de sortir de certaines situations dans lesquelles ils étaient enlisés depuis plusieurs années. Puis de ne pas rester tout seul, d'aller chercher là, des outils. Là. Puis, tu sais, si c'est pas... Tu sais, des fois, c'est de regarder où on se sent le mieux. Tu sais, avec quoi on veut commencer? Tu posais la question, avec quoi je vais commencer? Je vais-tu en psycho? Je vais-tu une coach? Je vais-tu en naturo? Ben tu sais, des fois, on n'est pas prêt à voir le côté émotionnel. Ben viens en naturo. Tu sais, viens voir ton alimentation. Ça va t'aider à te grounder. Ça va t'aider à te poser. Puis là, tu vas peut-être être plus apte à aller dire, OK, ben je suis prête à aller en psycho. Je suis prête à aller en coaching puis d'aller plus loin au niveau des émotions. Exact, tout à fait. Il y en a qui vont commencer par l'exercice, la méditation. Il y en a d'autres qui vont juste faire comme, ben, OK, ben moi, je décroche de tout ça, puis je me crée des moments qui vont me faire du bien, de juste essayer d'augmenter les moments de bonheur. Hein, parce que ressentir, c'est aussi ça, c'est de créer des moments de bonheur qui nous font du bien, de faire des actions qui nous font du bien. Parce que ces actions-là, ils répondent à nos besoins. Donc, plus qu'on essaye des choses puis qu'on voit que ça nous fait du bien, ben ça veut dire que ça répond à un besoin. Hein? Donc, d'être en mesure d'aller vers ça, puis comme tu dis, de juste ressentir. Hein? C'est drôle de même, c'est ça le mot, c'est ça l'astuce, là, mais ressentir. Aussi simple que ça, de se donner le droit de ressentir. Hein? Puis ça, c'est vraiment la première étape. Puis à partir du moment qu'on se donne le droit de ressentir, après, là, on peut aller découvrir c'est quoi toutes les autres choses, de garder un esprit ouvert aussi à les différentes possibilités, puis de ressentir vers où que ça nous appelle, ce petit chemin-là, parce qu'il y a juste vous qui le savez à la maison. C'est votre propre GPS. Vous êtes le maître de votre voiture et vous choisissez dans quelle direction vous voulez aller. Fait que, tu sais, si vous voulez foncer 8 fois dans le mur, c'est correct, c'est votre choix. Si vous voulez passer à côté, c'est pas... Moi, je fonce dans les murs pour apprendre, puis c'est correct, je l'accepte maintenant que c'est comme ça que j'apprends. Puis c'est chaque personne est vraiment différente, puis c'est d'accueillir ça aussi, accueillir notre unicité, puis de, tu sais, peu importe l'intensité des émotions, peu importe que ce soit des émotions qu'on dit négatives, mais qu'au final sont juste désagréables un peu plus, mais qui sont... Ils ont un sens, ces émotions-là aussi. Et que ce soit des émotions qui sont positives à vivre, de juste accueillir puis d'accepter la vie. Hein, la vie, la situation, le plus possible, comme elle vient. Comme elle vient en nous et comme elle vient à l'extérieur. Puis ensuite, c'est quoi la phrase? C'est d'accepter les choses que je ne peux changer. Hein, d'avoir le courage de changer les choses que je peux et de reconnaître la différence. Hein, on n'a pas nécessairement le contrôle sur tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Mais on peut avoir le contrôle
sur les choses qui se passent à l'intérieur de nous. Si on en prend conscience, puis si on choisit d'aller les regarder, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir en tout temps. Donc, puis ça, c'est quelque chose, je pense que c'est puissant de quitter là-dessus parce que dans le temps de pandémie, il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a juste pas le contrôle. Puis de revenir à l'essence, de revenir à soi, de revenir à, OK, bien, mes pensées, je peux prendre le temps de les écouter, de voir. Et je vous souhaite un bon cheminement à tous. Merci, Julie. Merci, Sarah, d'avoir été si généreuse de votre temps, de vos connaissances, de votre histoire aussi, de nous avoir partagé ça aujourd'hui. J'espère que vous en avez bien bénéficié à la maison et je vous retrouve mardi prochain pour une autre entrevue avec d'autres experts. Donc, je vous dis à bientôt. Fait que, Merci, prends soin de bye bye. toi. Bye.